Conjugaison, voici un cours de conjugaison. Le présent du verbe en est. Le présent du verbe en est, première partie. Bonjour, mes chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Je communique TV. Je vais vous expliquer clairement ce cours de conjugaison. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir plus d'informations à la page 54. Ouvrez votre manuel à la page 54. Vous avez donc le présent du verbe en est, première partie. Si on raconte ce qui se passe au moment où l'on parle, on utilise le présent. Par exemple, il montre son doudou. Il montre son doudou. Le verbe ici, c'est le verbe montrer au présent. Au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en est, sauf aller, aux trois personnes du singulier comme le verbe chanter. Tu chantes avec eux, tu chantes avec ES, ils chantent avec eux, elles chantent avec eux, on chante avec eux. Je chante, tu chantes, ils chantent, elles chantent, on chante. Au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en est, sauf aller, parce que tout simplement aller n'appartient pas au premier groupe, il appartient au troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Alors, au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en est aux trois personnes du singulier, comme le verbe chanter. Regardons bien, s'il vous plaît, je chante. Qu'est-ce qu'on a à la fin? E. Tu chantes. Qu'est-ce qu'on a à la fin? ES. Il chante. Qu'est-ce qu'on a à la fin? E. Elle chante. On chante. Voilà. Alors, pour maîtriser cela, on a ici quelques exercices qu'on doit faire. Premier exercice, il nous demande de compléter les phrases avec le sujet qui convient. Voici les sujets. Je et tu, il et elle, ce sont des pronoms personnels de conjugaison. Deuxième exercice, il nous demande de compléter avec les terminaisons qui conviennent au présent. Vous avez ici la place pour mettre des terminaisons. Écris le texte en remplaçant il par tu. Alors, il marche dans le jardin, je peux mettre par exemple... Je peux écrire, par exemple, tu marches dans le jardin avec ES. Dans cette liste de verbes, se lient les verbes conjugués au présent. C'est une façon d'identifier le présent. Voilà. C'est tout simplement identifier les verbes conjugués au présent avec d'autres temps. Et exercice 5, il nous demande de recopier. Voilà, il nous demande de recopier les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au présent. Prêter, aimer, porter, aider. Voilà, vous pouvez avoir l'idée sur ça à la page, je crois que c'est à la page 33 du cahier de l'activité. Cahier de l'activité pour CO1. Allons-y, on va corriger, vous donner quelques conseils et quelques remarques. Bien sûr que vous allez tout simplement les appliquer. Voilà. Alors voici la conjugaison. Le présent du verbe en est, deuxième partie. Et je retiens. Au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en est. Un infinitif sauf aller, aux trois personnes du pluriel comme le verbe chanter. On dit nous chantons, vous chantez, ils chantent, elles chantent. Nous chantons avec on, ça s'écrit de cette façon, ons. Vous chantez avec la terminaison et, ça s'écrit comme ça avec ez. Ils chantent, elles chantent avec ont, se prononce de cette façon e. Il chante, elle chante. Et vous pouvez avoir plus d'informations si vous voulez bien en prenant votre manuel, l'arbre aux mots, page 62. Il y a ici des exercices pour maîtriser cette leçon. Complète les phrases avec le sujet qui convient. Nous et vous, il, elle. Ce sont des pronoms personnels de conjugaison au pluriel. Dans cette liste de verbes entoure les verbes conjugués au présent. Nous demandons tout simplement de souligner les verbes conjugués au présent ici.
Récris les phrases en remplaçant il par il au singulier par il au pluriel. Recoupez les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au présent. Alors, les verbes entre parenthèses sont les suivants: fermer, regarder, rentrer, examiner et trouver. Par exemple, mes parents fermaient la porte à clé. On dit mes parents ferment la porte à clé avec la terminaison comme exemple. Alors, vous pouvez avoir plus d'informations si vous voulez bien à la page 38 de votre cahier d'activité. Alors, je parle des élèves de CEE, CE1 et d'autres classes aussi. La correction dans quelques instants. Restez toujours connectés, s'il vous plaît. Voilà.